revenir à notre sujet. Donald Trump. Ça. Donald Trump qui est la nouvelle là, que tout le monde a, est stupéfait. La nouvelle que tout le monde est surpris que Donald Trump va être président. Mes frères et sœurs. Et la majorité de nos frères et sœurs qui sont surpris de ça, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens qui sont surpris de ça. Mais dans leur livre, le livre, la Sainte Bible, soit ils ont la parole de Dieu, dans Romains 13, ils nous disent comme ça que toute autorité vient de Dieu, mes frères et sœurs. Alors si toute autorité vient de Dieu, nos frères et sœurs chrétiens devraient prier et remercier Dieu pour Donald Trump. Voilà. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, en 2016, soir. Qu'est-ce qui se passe avec la technologie? Nos frères et sœurs commencent à raisonner et voient que maintenant, dans notre champ, un raciste, un sexiste, un gars qui n'aime pas les immigrants, ne peut pas être envoyé par Dieu, mes frères et sœurs. Soir. Mais quand on voit dans le livre qui s'appelle la Bible dit toute autorité qui est de Dieu, mes frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui se passe dans le temps de la Bible et dans le temps d'aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui s'est passé, mes frères et sœurs. C'est deux temps différents, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, avec la technologie aujourd'hui, on va à l'école, on raisonne un peu, on raisonne pas beaucoup, mais on raisonne un peu. Yes, sir. Et on peut voir que maintenant, un gars comme ça, méchant comme ça, irrespectueux comme ça, peut pas être envoyé par Dieu. Alors, ça ne donne pas la tête à Papineau, comme l'équipe va dire, pour pouvoir raisonner, pour voir que dans notre champ, ne peut pas être envoyé par Dieu, mes frères et sœurs. Mais à l'église, on va aller à l'église, on va ouvrir le livre de Romains, et soi-disant, Dieu va nous dire, toute autorité vient de moi. Maintenant, on va le lire, puis on va dire Amen. On va vouloir raisonner parce qu'on a peur du livre. Soit. On a peur de dire c'est la parole de Dieu. Maintenant, mes frères, aujourd'hui en 2016, il faut raisonner aujourd'hui. Soit. Il faut prendre le temps de lire le livre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de sens. Quand on va le lire, on dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action que c'est mauvais, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. C'est quoi un magistrat? Magistrat, c'est un ordre civil, quelqu'un qui a été établi civilement par le gouvernement, la police, quelqu'un qui est là, qui représente l'ordre, mes frères et sœurs. Mais là, ce passage-là n'a pas de sens, mes frères et sœurs. Oh, comment peux-tu dire qu'un passage biblique n'a pas de sens? C'est la parole de Dieu. Romain, qui a écrit le livre Romain? Romain, c'est Paul qui a écrit ce livre-là. Mais Paul a été inspiré par Dieu. Oui, mais si Paul a été inspiré par Dieu, si ça vient de Dieu, Dieu ne peut pas nous dire que toute autorité vient de lui, mes frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'injustices qui se passent en 2016. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont fait injustement assassinés sous le gouvernement de Obama par la police. On a beaucoup de frères et sœurs présentement qui ont des peines à vie en prison. Ils ont été injustement jugés par des juges. Et maintenant, ils commencent à sortir deux fois qui disent que lui, il n'était pas coupable. On prend un frère qui a fait presque 30 ans de prison. Un frère aux États-Unis, il a fait plus que 30 ans de prison. Et c'est maintenant que le système judiciaire dit non, il n'était pas coupable parce que. Maintenant, on peut voir, on a un test. C'est quoi ça? 30 ans de prison. Alors, est-ce que cette autorité-là vient de Dieu, mes frères et sœurs? Est-ce que Dieu fait des erreurs? Est-ce que Dieu va tuer quelqu'un juste pour sa couleur de peau? Mes frères et sœurs? Dans quel esclavage le peuple nous maltraitait juste parce qu'on était mort? Il ne nous considérait même pas comme des êtres humains. Il nous considérait comme des bétails. Et vous nous dites que cette autorité-là vient de Dieu, mes frères et sœurs? Alors, ce passage-là qui est biblique, ce passage-là ne vient pas de Dieu, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, quand on raisonne, aujourd'hui, quand on fait l'histoire, on va voir que ce passage-là a été
institué, c'est parce qu'elle a été mise dans la Bible par le maître d'esclaves, mes frères et sœurs. Parce que le maître d'esclaves devait contrôler les esclaves. Et la façon de contrôler les esclaves, c'est quoi? C'est de mettre des passages dans la Bible qui ont dit aux esclaves qu'il y avait la parole de Dieu. Et l'esclave, quand il sait que c'est la parole de Dieu, automatiquement se soumet, mes frères et sœurs. On ne peut pas dire toute autorité de Dieu, ça n'a pas de sens, mes frères et sœurs. Il y a encore plein de passages dans la Bible qui ne viennent pas de Dieu, mes frères et sœurs. Quand on analyse ça et on raisonne, on voit que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du maître d'esclave. Parce que le maître d'esclave avait un but, avait un objectif. Il devait mater les esclaves, il devait les faire soumettre à lui. Et ils ont utilisé la religion, le christianisme, pour nous génocider, pour nous faire devenir des bons esclaves, mes frères et sœurs. Ah oui, c'est une réalité. Ça. Je sais qu'on a beaucoup de frères et sœurs qui sont chrétiens aujourd'hui, qui croient à la religion christianiste. Mais mes frères et sœurs, la réalité, l'histoire nous montre que cette religion-là ne vient pas de Dieu, mes frères et sœurs. Cette religion-là nous a été imposée par le même esclave, mes frères et sœurs. Quand on fait l'histoire d'Haïti, qu'on fait l'histoire de la Jamaïque, qu'on fait l'histoire des États-Unis, qu'on fait l'histoire de la Barbade, de Saint-Vincent, l'Afrique, n'importe quelle histoire qu'on fait, on va voir que la religion christianiste nous a été imposée, mes frères et sœurs, par le fouet. Il nous a pendu. Et pendant beaucoup de temps, nos frères et sœurs n'avaient pas le droit de lire et écrire. Parce que j'étais en train de traduire le livre. J'étais en train de traduire le livre et choisir le livre pour le faire, pour le confectionner. Alors ils avaient interdit de lire et d'écrire. Et après, quand le livre, la Bible a été confectionnée, a été traduit, là, ils ont enseigné comment lire et écrire. Et nous a donné la Bible. Ils ont dit, hey, lisez ce livre-là. Le Nouveau Testament surtout. Alors le Nouveau Testament dit quoi? Toute autorité vient de Dieu. Alors moi, étant que maître esclave, je viens de Dieu. Mes frères et sœurs. Alors aujourd'hui, en 2016, c'est vraiment triste. En 2016, on voit nos frères et sœurs qui ne veulent pas les raisonner, qui veulent rester dans la foi, dans leur croyance. Tout le monde a la foi, mes frères et sœurs. Tout le monde croit à quelque chose. Mais on doit juger, on doit tester notre foi. On doit aller faire des recherches croyantes. Est-ce que dans quoi que je. Dans qu'est-ce que j'ai la foi et la vérité, mes frères et sœurs? Parce que la foi et la vérité, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir la foi, mais tu n'as pas la vérité, mes frères et sœurs. Bien sûr. Alors il faut s'assurer qu'on a la vérité aujourd'hui. On doit analyser le livre qui s'appelle la Bible. De la même façon aussi, on doit analyser le livre qui s'appelle le Coran, mes frères et sœurs. Parce que l'islam aussi nous a été imposé par les Arabes. Après le prophète Mohammed, les Arabes, ils ont été en Afrique, en Inde. Ils ont imposé l'islam, mes frères et sœurs. Ils se disent musulmans. Ce n'étaient pas des musulmans. Parce que dans l'islam, l'esclavage est interdit. Dans l'islam, l'esclavage est interdit. Dans le Coran, l'esclavage est interdit, mes frères et sœurs. Parce que dans la Bible, l'esclavage est permis. Si on va dans le livre d'Exode, l'esclavage est permis. Il nous dit que tu as le droit d'avoir un esclave, tu as le droit de le battre. Sauf qu'il ne faut pas que tu tues. C'est marqué clairement dans le livre d'Exode. Mais dans le livre qu'on appelle le Coran, dans la Sourate 86, il nous dit que non. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui libère les esclaves. Qui n'a pas d'esclavage, mes frères et sœurs. Mais les Arabes, c'est des hypocrites. Les Arabes n'ont jamais pratiqué l'islam du prophète Mohammed. C'est des hypocrites, mes frères et sœurs. Après la mort du prophète, ils ont dévié. Ils n'ont jamais accepté leurs frères, parce que les Arabes étaient un peuple qui avait un complexe d'infériorité à cause qu'ils sont des métissés, à cause qu'ils étaient clairs, ils se pensaient supérieurs à leurs frères. Ils ont été en Afrique, ils ont génocisé. Ils n'ont même pas enseigné l'islam aux Africains, parce que dans l'islam, tu ne peux pas mettre un musulman en esclavage. Alors ils se sont assurés de ne pas enseigner l'islam aux Africains, juste pour pouvoir les mettre en esclavage, mes frères et sœurs. Alors il faut qu'on analyse le livre. Que soit la Bible, le Coran, n'importe quel livre, on doit l'analyser, mes frères et sœurs, et savoir l'histoire du livre, d'où vient le livre. Et la Bible vient pas de Dieu, mes frères et sœurs. Historiquement parlant, la Bible n'est pas de Dieu, mes frères et sœurs. On peut croire en Dieu. Oui, c'est très important de croire en Dieu. Mais de quel Dieu vous croyez? Quel Dieu, quel est ce Dieu-là que vous croyez, mes frères et sœurs? Surtout quand c'est votre ennemi qui nous amène un Dieu. On ne peut pas croire au Dieu de l'ennemi, mes frères et sœurs. Les Noirs, on connaissait déjà Dieu en Afrique. Le frère n'a pas amené du Jésus nouveau. On connaissait déjà Dieu. On est venu à nos croyances, on est venu à notre religion, mes frères et sœurs. Alors le peuple ne nous a pas enseigné Dieu, il ne nous a pas appris Dieu. Non, il nous a imposé son Dieu à lui, mes frères et sœurs.
Et il y a mis des passages bibliques pour qu'on puisse être des esclaves, frère et soeur. Il y a un autre passage où on peut lire encore. Il dit que c'est notre frère Jésus qui a dit ça. Comment que notre frère Jésus peut dire quelque chose comme ça, mes frères et soeurs? Et nous disons que Jésus est le Fils de Dieu et Dieu vivant. Comment que le Dieu vivant peut dire quelque chose comme ça? Et quand tu vas voir dans l'Ancien Testament, il a fait le contraire, lui, le Dieu vivant. Quand on va dans Matthieu 5, on va commencer à Matthieu 5, verset 38. Mes frères et soeurs, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe de la joue droite, présente-lui l'autre joue. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais 2 000 avec lui. Donne à celui qui demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mes frères et sœurs, ça ne peut pas venir de Dieu. Mes frères et sœurs, ce passage-là, Jésus ne peut pas me dire d'aider mon ennemi. De prier pour mon ennemi, de prier pour ceux qui me persécutent et pour ceux qui me maltraitent. Mes frères et sœurs, ça c'est purement un enseignement d'esclavagiste. Ça a été introduit dans la Bible par le bête d'esclave. Pour que quand le bête d'esclave nous va et nous maltraite, qu'on va prier pour lui, mes frères et sœurs. Parce que Jésus ne peut pas dire ça.